Bonjour Nadia Canalé, conseillère insertion à la mission locale de Fréjus. Je suis référente handicap à la mission locale. Bonjour, je me présente, je suis Sandrine Salès, conseillère en emploi, relations entreprises, mais également référente handicap. Lorsqu'une personne se présente en mission locale et avec une notification MDPH, nous lui proposons un entretien individuel afin que l'on puisse déjà créer un climat de confiance et pouvoir lui proposer éventuellement des accompagnements vers des structures adaptées. Tous les ateliers proposés en mission locale sur la confiance en soi, sur les entretiens de motivation, sur les casques virtuels, enfin voilà, tout ce qui est proposé en mission locale sont aussi proposés aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc vraiment, la mission locale met tout en œuvre pour que les personnes se sentent à l'aise. Moi, j'ai un regard très ouvert sur l'handicap, c'est-à-dire qu'on peut tout faire. Toutes les possibilités sont ouvertes et moi, je dédramatise beaucoup en entretien d'handicap. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis petite, quelqu'un de 2 mètres, moi, je suis handicapée par rapport, j'ai un handicap par rapport à lui pour attraper mes courses. Je veux dire, tout problème a une solution. On adapte tout aujourd'hui et l'handicap est beaucoup plus valorisé. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, effectivement, on a beaucoup de problématiques. Dans un premier temps, la confiance en soi. C'est-à-dire que quand on est en entretien, on se rend compte que la personne en situation d'handicap n'a vraiment pas confiance en elle et l'acceptation de son handicap. Donc ça, c'est un gros travail à faire en amont. Voilà. L'espoir, parce qu'aujourd'hui, tout est ouvert à l'handicap. On a des structures adaptées, on a toutes les possibilités... Oui, on a énormément créé aussi de partenariats avec les structures du territoire. Et aujourd'hui, on peut se dire effectivement qu'on a un peu plus les capacités à pouvoir les orienter vers les structures adaptées. Peu importe le handicap et peu importe la différence, si vous vous sentez concerné, surtout n'hésitez pas à en parler. Ne lâchez rien surtout. Allez au bout de vos projets.